Rank comme 9 forever. Tricky Towers, deuxième service. Tricky Forever. La 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 la. La 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 la. On y retourne. Je suis tellement ralenti que j'ai mis 40 minutes à revenir. Mais c'est pas grave, au moins tu te régénères. Enfin, tu te régénères, tu reprends des forces. Tricky Towers, le jeu de l'enfer. Alors. Yannir Mishkpolix. Touk. Edge. Touk. Oui, c'est moi. Bastos, s'il veut, mais il fait dodo. Visiblement, il fait dodo. Nayone a disparu. Bon, je l'envoie éventuellement à Bastos, mais à mon avis, il est en mode dodo. Voilà, vous venez quand vous voulez. Je suis prêt, je vous attends. Le mec dopé. La manette. La manette. Ah, si tu te fais trahir par la manette, c'est moche. J'aimerais pouvoir changer de personnage. Mais la manette en forêt. Attends. Je relance le jeu par sécurité. Mmh. Tu vas devoir me réinviter. Mmh. Bah j'attends ton signal. Oui. Siri, éteins la lumière. Vas-y, tu peux inviter. C'est parti. Ok Google, désactive l'alarme. Alarme. Allez Zou, c'est parti. Ok Google, transforme Twinsen en magicien de briques. Oula, je t'entends saccader, mince, au secours. Nous sommes en train de perdre Nanamouche pourri alias Twinsen qui va revenir parmi nous et... Ah voilà. Message de Bateau Bateau 11. S'il vous plaît, arrêtez de dire « Ok Google » parce que sur mon téléphone, ça met la fonctionnalité en route. Désolé. Ah merde. Eh, c'est dangereux, hein. Vous voyez les microphones et les haut-parleurs à tout va. Oh non, quelle horreur. C'est conceptuel. Non. Quoi? Ah non. Oh mais sérieux. Sérieux. Oula. Oula là, j'ai une instabilité de niveau 2 là on va dire, comme dans Portal. Thank you.
Ah bah, dis donc. Ah! Oula! Pourquoi je n'y crois pas du tout? Car il est impossible d'y croire. Moi, c'est la tour de Pise. Ça craint. La tour de Pise. Ah! Oh! C'est un très beau piano ici. J'ai mon cheveu. Non. Ah non. Je me fais avoir comme la fois précédente. Je crois que ça tient, mais c'est faux en fait. Ça tient pas. Oh non, c'est faux. Pour moi, c'est valable. C'est ça qui m'en fout. Ouf. Pourquoi pas. Je me sens mal embarqué. Est-ce que... Non, 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 si, non, 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 non. Dommage, je résistais, mais non. Ah. Oh, magnifique. J'ai cru qu'on allait aller jusqu'au bout des pièces. Ah. Bon bah, on est tous abonnés au même point. Hein. C'est ça. Ah ça, c'est pas sympa ça. Ça, c'était pas obligatoire. Est-ce que je peux faire ça? Oh, juste pas grand chose. Je lui dirai le plaisir. Oh! Eh B. C'est beau. Non, c'est dégueulasse.
Non, j'ai vu. Voilà, il y a une revanche. Oula, ça se tient plus là. Oula là. Je pense tout pareil. Oh. J'ai juré, ça tient. Oh, joli. Bravo. Oh, vache. Voilà. Incroyable, que des victoires pour AJ, il est redoutable ce garçon. Tu vas voir, je suis en fin d'acte 2. Pardon. Oh là, c'est la folie. Ça peut être une bonne chose. Oh, joli. Merde, le brouillard a fait son effet. C'est honteux. J'essaie de passer ça le temps possible. Non, mais c'est immonde. Oui, je veux bien. C'est bon. Ah, je me sens mieux.
Non, oui, oula, j'ai douté au dernier moment, j'ai des trucs à pas faire. Merdoum! Ça c'est cool. Voilà, ça bouge plus. Nope. Je devenais fou. Ah, bien tu scène qui avait joué le Joker base solide. C'est bien. Oh. Et toilette mortuaire. Mon dieu. Attends, faut que je regarde ce que je fais moi. Adieu les copains. J'ai cette prétention. Oh, je pense que ça devrait suffire, non? Ouf. Oh, GG, adieu. C'est bien. Oui. La coupe en or revient à AJ. C'est Bao. C'est vrai que t'as fait un départ tonitruant à enchaîner les victoires, c'est fou. Tu étais en train de showdowns. Alors, est-ce que Bastos. Non, Bastos fait dodo. Enfin, je peux toujours lui envoyer une invite, mais bon. Si vous êtes prêts. Non, le jeu me fait flipper. N'hésitez pas à aller aux toilettes, hein, boire un coup. Moi, je me déclare comme prêt. C'est reparti, nouvelle Super Cup de folie. J'ai hâte qu'on fasse du flat out de gauche.
que ça fait un bouton que j'ai joué. La dernière fois c'était avec Mayoné sur mon stream. Du joueur français. C'est obligé à ce stade. Ah, mon propre truc qui m'a fait peur. Merde. Oh non! Ah oui! Complètement. Ah! J'ai pas le temps de faire ma magie noire. Bien joué. De voir le premier médaillon en troisième classe qui apparaît dès le début, ça me fait rigoler. Mais je suis venu même par me demander, lorsqu'il y a 4 joueurs à l'écran, si même pour les spectateurs, il faudrait que je revoie la redite. Si c'est pas tuant pour les spectateurs aussi de plus savoir où placer leurs yeux. Parce que suivre 4 actions simultanées, c'est la folie pour le cerveau, je pense. Oula. Non, ma manette a fait me trahir. J'arrête d'être débile à un moment parce que je pose des pièces mais je sais très bien que je vais pas les poser là. C'est pas ça hein, c'est Tower et pas Tidy Tower. Ouais. Ouh. Terrible. Ça peut être sympa. Ouais, je vais faire ça parce que j'en connais qui vont me faire vendre des pièces. Voilà. Yeah!
Oui, non, après je peux pas faire mieux, c'est pas possible. Oh! Mais c'est la folie! Oh, du coup, le grand perdant, c'est une scène. Oh, la violence! Oui, tout est encore rattrapable. Hein, bien sûr! Ah oui, bien sûr! On a déjà vu ici même des retournements de situation de fou en championnat Supercoupe. Je la sens pas. Probable. Oh, je suis dead, il m'a pas validé l'autre pièce. Où est mon centre de gravité? Où est-il? Oh, oui! Non! J'y ai cru! J'y ai cru jusqu'au bout! Ah! 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 Je cours! Ah! Honneur au genou! Bravo! Ah, je suis sûr que je suis passé à un dixième de seconde de la victoire, guacage total. Oh, mettons d'autres couleurs. Ça change. Ah oui, ah oui. Solide. Non. Oui. Ça, c'est l'amour, ce truc. Celle-là.
premier. Ouais, autant consolider ses appuis. Ah, je déteste cette pièce. Oh oh. Ah bah au moins j'ai éliminé la pièce que je déteste. Non mais il va jouer toutes ses pièces, ce petit Edger. Attends. On n'est pas sûr. Ah. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah. Il m'en faut une. J'ai joué toutes les pièces. Non. Ah, oh, bravo. Alors, j'espère que tu vas avoir un succès. Tu mérites. Tu mérites un succès, bravo. Oh. J'ai pas eu de succès, c'est de l'arnaque. Ah, c'est dingue. Il déjà, parce que. Il a plus d'argent, par contre. Écoute, non, il a mis des 66 pièces. J'ai jamais placé toutes les pièces. Oui. Si on veut. Oh oh. Oula, je me mets en difficulté là. Ah oui, c'est bon ça. Oh non. C'est le ballon de marteau. Ça c'est vraiment... J'en reviens pas que la brique tienne. C'est drôle. Là c'est moins drôle. Voilà. Là encore, c'est ce que j'appelle consolider ses acquis. Et là, je peux y aller vite. Vite, le petit genou, il va arriver. Vite. Allez, hop, malus pour vous. Ah, ah. Oui. Non. Tout n'est pas joué. Non, celle-là, j'y crois pas. Oh oui! Votre serviteur qui va la mettre en bas. Là. Merde, moi-même je suis très mal embarqué. Voilà. Ouf, la prochaine est le carré.
Oh! Attendez. Attends, non, il en a 5 Edge ou 6. Merde. Faut que je surenchère. Ah bah non. J'aurais tenté. T'en avais combien? T'en avais 6, non? Ah, 5. Waouh. Bien joué. Pour une scène, une symbolique. GG Edge. T'es rigolo. Bref, fan. Eh ben, bien joué, Jay. La coupe en or, encore une fois pour toi. Tu les collectionnes. Alors, inviter un ami. Et Bastos, il va se sentir harcelé. Troisième invitation. Oui, si tu veux venir en vocal. Je pense que... En plus, je pense qu'on arrive sur la fin du... Du triple duel, si je puis dire. Enfin, c'est plus un duel, là. Bon, bah, quand vous vous sentez prêt. Ah, t'as encore ton problème de micro, Fanfan. T'es lointain. Ah, c'est Windows 10. Calamou, t'es là-dessus. Non, je veux pas quitter la partie. Voilà, là on t'entend bien. Rien de fait, c'est mieux. Re. Ah, c'est une catastrophe. Attends, chaque fois je dois aller dans une vocale, dans un live, dans un vocal privé pour monter le micro maintenant. C'est... Non, mais t'as dû activer sous Windows le mode auto. La balance des sons là. Je sais plus, t'es sous Windows 10, Funfan. Éventuellement, ce soir, si t'es d'accord, je fais un rapide intervention sur ton ordi et je te fais sauter le truc automatique. J'essaierai de retrouver le son. Oui. Bah au moins que tu sois peinard, quoi, parce que ça te effectivement si t'arrives à chaque fois, c'est chiant. Merde, fausse bonne idée. Une fois dans la journée, c'est pas dérangeant, mais qu'il dérange plusieurs fois, c'est chiant. Ouais. Attention, il n'est pas qui joue. Moi, quand je joue et qu'il vient dans mes vocales, c'est pareil. Hein. On inverse les rôles. Ouais, mais c'est un jeu exigeant quand même. Oh, je suis déçu. Léo Tech, il n'est pas à la Paris Games Week. Super. Et moi, quand je joue à Crash Bandicoot, je peux jouer une vocale aussi, c'est exigeant. C'est vrai, je te l'accorde. C'est sûr que quand je joue à Deus Ex, c'est beaucoup moins exigeant pour moi. Ouais, là je suis déçu. Je pensais que les hauts techs étaient fous, mais... Oh, il y en a un qui me fait mieux au niveau, il a pas... Je sais pas qui c'est, mais... C'est Twinson. Ah, comme c'est plutôt... À quoi vous parlez? Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais. C'est horrible. Nous. Ah, ça va, je peux t'attendre. Il m'est arrivé un truc horrible. Ma base s'est écroulée, j'ai pas compris. Eh ben, GG, Fun. Edge, pardon. Ouais, merci. Je le prends, moi. Il m'en dit tellement peu de GG. Alors là, je serais curieux de revoir mon propre ralenti dans la semaine. Parce que j'ai pas compris comment ma base s'est barrée. C'était terrible. Et encore, je ne sais même pas si ce sera en visuel. Tellement que là, ça a craqué à la base. C'était peut-être hors écran. Oh là là. Allez, les erreurs arrivent même aux meilleurs, Clinton. Tu peux trop faire, hein. Quoi, c'est positif.
Ouais, au moins ça me fait un truc solide. Non, c'est dégueulasse ce truc. Oh, c'est horrible. Je me demande si c'est pas le pire des Manus. Ça et les trois têtes de mort grignoteuses. C'est une abomination que ces Manus là. Malus, Malus et Carum. Où ils disent ça? C'est pas dans le Camelot ça, Malus, Malus et Carum. Moi par défaut je pensais à des jeux vidéo. Mais... C'est peut-être dans Fort Boyard avec avec Magloire. Oula. Il me semble, quand il faisait le génie, il me semble qu'il disait Malus, Malus et Carum. Ouais, je me souviens plus. Ça tangue beaucoup trop. Ça tangue beaucoup trop. C'est bon. Celui qui est le troisième, il a pris une belle. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois que c'est quoi le sac. Moi je suis à gauche. Ça tangue chez moi. Tout à droite, c'est moi. Ah bah, Edge, ce que tu fais, c'est beau. J'ai plus de briques. Bah, ouais, je suis plutôt content de ma base là, mais j'espère que ça tient. C'est plutôt beau. Et j'ai sage, c'est quelque chose. C'est une bonne base. Et le sage, c'est tout. Ah, ça aide, base. Merci. Ah, j'ai eu un succès. Utiliser tous les sorts en une seule fois. Je suis tellement en panique que je déclenche tout en fait. Ah bah, moi je l'ai pas parce que j'ai pas utilisé tous les sorts du jeu. Ouais. Ah, ça viendra. Oui, avec la force des choses, comme on dit. C'est le premier qui atteint la barre qui a gagné. Ouais. Okay. Donc c'est la peine. Allez, lâchez au moins. Elle est magnifique. Oh, 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 oh. Hop là. Ah bah c'est la classe, bravo. Le sage, comme tu as terminé Portal 2 en solo, vous allez repartir en coop avec Vincent ou tu vas partir sur un autre jeu ou un autre mode de Portal? Alors, j'aurais pas intérêt à refaire le Portal 2 en coop puisque j'ai eu le plaisir de le faire avec Vincent. Par contre, comme l'expliquait Vincent dans mon chat tout à l'heure, c'est qu'il existe une version rechargée, loaded, avec un troisième portail. Donc celui-là, je ne le connais pas. Potentiellement. Yeah. C'est presque, entre guillemets, un portal 2,5. Ah, il existe en solo et en coop, il a dit. En solo et en coop, là. Oui, mais est-ce qu'il existe également en solo? Oui, c'est ce que je viens de dire, il existe en solo. D'accord, donc il fait les deux à la fois. Donc on va bouffer du portal Reloaded à l'avenir. Ouais. Et c'est pas du tout les mêmes cartes, là. D'accord, d'accord. C'est une façon de jouer encore différente, parce qu'il y a un peu de portail. D'accord, d'accord. Bah, j'espère vous revoir tous les deux ensemble, c'était plutôt cool. Oui. Voilà, le sage, il peut le faire, il est là, il peut le faire tranquillement en solo avant qu'on fasse en coop. Hein. D'accord. Il a quand même une bonne tripotée de niveau aussi. Bah, je vais peut-être faire une pause sur les portals jusqu'aux fêtes de fin d'année. Je vais me faire 2 mois de pause de portal parce que ça trique dans le cerveau. Ouais, et au 1er janvier, je reprendrai le Reloaded. Et du coup, c'est rare que ça arrive, moi aussi je fasse ça, mais est-ce que tu feras un jour le premier ou pas du tout? Je l'ai pas fait le premier, si je crois. Si, si. Pas sur ta chaîne, je crois pas. Si, si, j'ai fait le premier. Ah ouais? Re-Bastos. Fais gaffe, Bastos. Oh merde! Au cas où, si t'avais pas fait attention. Je sais. Ah. Ah bah. T'as harcelé de messages pour venir me voir. D'ailleurs, je me vois dans le salon de Délestage et pas avec vous, c'est très bizarre. Ah bon? Ouais. Bastos, je me vois ton micro muet avec le casque et tout. Devant toi.
Oui, pareil. Ouais, moi aussi. C'est limite t'as encore une capture d'écran, c'est pute. C'est le mystère d'Halloween. Je suis là, mais je suis pas vraiment là. Halloween. Basto, c'est un fantôme, quoi ? C'est qu'à faire. Je n'ai jamais existé, tout ça était dans votre tête depuis le début. Oh mon dieu. Ah ma gueule. Je me disais aussi, j'entends des voix. Normal. Ah ouais, bah le sable, je me souviens pas que t'es fait le premier, tu l'avais terminé et tout. Normalement, oui, on avait dit. Ouais, ça devait être au gâteau là. Ça devait être au début de ta chaîne alors, parce que je me souviens pas. Voilà, le premier dans Portal. Non, non, c'était en août, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un trou noir là-dedans. Sérieux? Oh, j'ai fait de la bah, je regarderai si tu l'as archivé sur ta chaîne YouTube. Obligatoirement, oui, ouais, ouais. Tout ce que je vous diffuse normalement finit sur YouTube. Obligatoirement. Sur YouTube, vous nous entendez? Mais en gros, vous verrez même. À la fin. Avec des années, des. Mais non, mais c'est quoi? Ah, ça se fait pas ce que je fais, mais... non, ce bloc-là va pas m'aider. Ah, tiens, 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 c'est bien. Ah oh, oui. Oh, joli sens. C'est beau. Bap. Léo. Sinon, le sage, ça n'a rien à voir, c'est... Alors, je sais que t'es pas trop cinéma, mais là, je vais en parler vite fait. C'est pas l'aspect cinéma qui m'intéresse, mais c'est juste la statistique. C'est se dire que la saga Inspecteur Harry avec Clint Eastwood est une saga qui arrive vers ses 50 ans quand même. Mmh. Le premier opus a déjà plus, le deuxième cette année il a 50 ans, et se dire que Clint Eastwood 50 ans après il est encore vivant, c'est beau. Fou. C'est beau, c'est fou, même certains de ces films cultes des années 60 vont arriver dans 60 ans. C'est dingue de se dire qu'après, même s'il a pas fait tous les films, tout machin, mais je veux dire que 50 ans après son œuvre, un demi-siècle, il est encore là, c'est énorme. C'est fou. Ça me ferait bizarre, moi, en 2060, de voir s'il y a encore des articles YouTube, si on les a pas cliqués. Bah, c'est pour ça que moi, j'essaie de prendre la précaution d'en garder personnellement une sauvegarde sur le disque dur externe. Imaginez vous vos streams quand vous les visionnez 50 ans après. Bah si je pouvais laisser entre guillemets une trace de mon passage sur Terre et que ça pourrait prendre cette forme là de rigolade pour tout le monde, je serais ravi. Imagine Basta si on peut voir tes streams 50 ans après. Non. Déjà que je les perds au bout de 14 jours parce que je fais pas mon temps fort. Où est Jay, hein, parce que je sais, c'est clair. Ouais, ouais, bah... Bon, bah j'ai les temps forts, c'est vrai. Mais je pense que... Oh. Attends, je stream en 460p, je crois. Non, 540. T'as des problèmes d'aérophagie. Ouais. Excellent, bonne blague. Validé, t'as d'où. Mais sinon... Ah bah si, là je stream en 540p ou 640, je sais plus. Je crois que le 640p ça va devenir du 360p hein, d'ici 50 ans. Ou Twinsen toi, dès que tu vas te lancer, t'imagines, dans 50 ans pour encore voir tes streams. Il se lancera dans 50 ans peut-être. Ah d'accord. N'empêche, Twinsen, si on les regarde dans 50 ans, tu seras aux alentours des 90 ans. Ah oui. Non, oh, la jeunesse n'a pas d'âge. Moi, je suis à l'entour des 80. Moi. Elle sera mort, peut-être. Oh, peut-être que je serai mort. Je ne sais pas. Papa. On le souhaite à personne.
T'as vraiment dit champagne dessous. Ah oui, vous voyez à quel point je m'aime. Évidemment que je fais. Moi, ce que je demande, c'est que quand je suis mort, c'est que quelqu'un sur ma tombe qui joue à Gunpan Tangoli. C'est un bel hommage. On demandera à Dragon Sky. Ouais, j'essaye de le préparer. Ouais. Il galère, hein, sûr. Il a à peine perdu la première année. Tu vas mettre dans ton testament que quelqu'un joue à Green Fandango sur ma tombe. Ouais. Je suis mort et on joue un jeu sur les morts. C'est raccord. Que théoriquement, tu peux mettre n'importe quoi sur le testament, donc en vrai. Non. Presque, ouais. Bah, pour toi, c'est pas assez n'importe quoi de jouer à Grim Fandango sur sa tombe. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Oh, ce sera toute une scène qui le fera. Non, vous connaissez la grande différence au niveau des testaments de ce qu'on peut faire entre les États-Unis et France. Vous pouvez léguer votre fortune à votre animal de compagnie aux États-Unis d'Amérique, alors qu'en France, c'est totalement impossible. Et pourquoi Canada-Pad, il l'a fait avec son chat ? Il doit y avoir une erreur quelque part. Normalement en France c'est pas possible. Ou alors il y a eu un astucieux contournement de loi, mais je sais pas comment. Lucien, je te ferai plutôt un jeu que tu connais mieux, ça mais là. Tu vas nous faire mal. Tiens, j'ai gagné pour le voir. Enfin du droit. Bien. Faut que je me refasse. Ah bah là, tu vas te faire profiter là-dedans, dans ce niveau. Oula, c'est quoi cette violence d'entrée de jeu? Prenez l'air sérieux, c'est mauvais, franchement. Oh, je suis fou. Oh, voilà. Ah oui, je suis fou. La souris n'est pas valable. Oh, bah alors. Oh. Ouais, non, je peux pas faire mieux. Je sais pas qui était au milieu, mais déçu. J'aurais dû valider. Oui. Ah bah bien joué, Bastos. Hein? Non, ouais. Non, mais... Ça me paraît bizarre de me dire que 50 ans après mon premier stream en 69, pardon, que je sois encore vivant. Mmh. Ça me ferait bizarre quand même. Oui, bah, oui, j'ai pas entendu 2019. 69. Non, pour revenir au coup. Pardon. Oui, pour en revenir. Et seul chez toi dans l'appartement? Mais ça c'est autre chose, ça toujours à dériver. Oui, tu disais le sage, c'était... Je portal la suite de la grande saga l'année prochaine, puisque je, évidemment, pour pas lasser certains publics, et je peux comprendre, je astucieusement je fais tourner les jeux, vous l'aurez compris. Ouais. C'est bon. Ouais, je parie, je me dis, c'est comme aussi plus récemment que... C'est comme si Daniel Radcliffe il était encore vivant en 1951, 50 ans après le premier Harry Potter. Lui, Hermione et Ron. Ouais, c'est Ron. Le rouge, oui. Oui, le rouge. Alors, cette pièce-là joue ou quoi? Quand tu sais qu'il y a déjà quelques acteurs d'Harry Potter qui nous ont. Rogue, il nous a quitté. Mais c'est pas vrai. Il me semble un des acteurs qui jouait Voldemort là. Non, Dumbledore. Les deux sont morts. Les deux? Ah ouais. Ouais. Et l'autre, il est mort. Moi je dis les derniers seront les premiers. Non, du train je suis parti, non, jamais de la vie. C'est vrai que la tour non, de Deadly comparée à. La tour de Deadly comparée à la tour de Twinsen il y a 10 secondes,
Il n'y avait pas photo. Ah oui, mais là, là, on est bien bas, là. Comment je vais continuer là-dessus, là. Je prends rien à faire. Mais non, mais ça, c'est pas jouable, ça, les enfants. Tiens, allez, là. Hop, allez, go. Ah. Mais non, pas de déconner. Qu'est-ce que... Oh. Vert, je crois que c'est ce, moi. Alors, celle qui est au milieu, je crois que c'est Twinsen, c'est chelou ce que t'as fait, Twinsen. On dirait que t'as fait une tour en deux parties. Le sage abrège de son temps. Non, mais AJ recommence à t'attendre depuis le début. T'as pas de fondation. Tu peux pas. Tu peux pas, il y a un truc bloqué. Oh, c'est pas que son. Ah, GG, AJ. Ça va, je chauffe mon honneur, je me rattrape sur la fin. Ouf. Oh là là, troisième coupe en or d'affilée. Bravo, AJ. Ouais. D'ailleurs, ce mois-ci, puisque je suis sur Harry Potter, devrait sortir. Là, tu peux inviter Basto, ça peut être un petit. Tu m'étonnes. Oui, c'est déjà fait. À 4, c'est plus marrant. Tu m'étonnes. J'ai la folie. Allez, voilà, le voilà, il arrive. Ouais. Plus on est de magicien, plus on rit. De scream. On est frères jumeaux de personnages. Tu disais, Fun. Je disais ce mois-ci qui devrait sortir, je crois, la version Switch de Hogwarts Legacy. Oh, t'as... C'est pas de problème. C'est quoi cette première pièce du refaire? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont montré quelques images de la version Switch. Bon, c'est sûr que comparé à la version PS5, PS4, c'est un peu moins joli, mais c'est pas dégueu. Ils ont fait un beau travail. Ils ont fait un truc qui rend honneur à la Switch. Mais pas comme d'autres qui sont un peu plus paresseux. Même pas. Non, on va pas tenter le diable. Voilà. Y'a ce que le diable t'a dit en fait. Ah non. Oh, je le dis! Bravo! D'ailleurs, ça promet une belle bataille pour le GOTY cette année. Il y a tellement de bons jeux qui sont sortis. Ouais. Ça va être difficile pour eux de faire la sélection et de déterminer. Au moins, pour cette année 2023, tout le monde a le choix de ce qu'il veut choisir au niveau des triple A. Quoi, bah oui. Parce que je rajoute une pique. Je ne pourrais pas. Mais c'est un pic, pas une pique. J'ai dit une pique. Ouais. Un saut. Une pique. Parce que il y a pas mal les fans de Resident Evil 4, pour les fans d'Harry Potter, ils vont voir le Galaxy. Il y a le dernier Final Fantasy qui est sorti. Il y a eu le Spider-Man 2. Il y a le Alan Wake, il y a des groupes qui sont sortis et c'est pas fini. Street Fighter, Baldur's Gate. Ouais aussi. On voit aucun. Alors Baldur's Gate, c'est pas genre de jeu qui m'attire, mais en qualité de doublage, c'est ouf. Le doublage qu'il y a eu, chaque personnage a une voix qui est propre. Waouh, le travail de dingue qui a été fait. Je ne sais combien de flingas, je crois qu'il y en a 26 ou une centaine, je suis plus. C'est assez dingue, là il y a ce jeu là, franchement, je vais continuer. Alors je crois que c'est un double A, mais aussi il y aura la suite de Flashback qui est attendue. Flashback 2, la vraie. Je dis la vraie parce que si on tweetait, il y a des versions qui sont déjà sorties. Oui. D'ailleurs, 30 ans après. Il y a aussi dans les BBA aussi, c'est plutôt pas mal pour les fans de Robocop aussi, qui est sorti Rogue One.
Bon, Bocop, mais je pense que les fans se retrouveront. C'est encore la même, Bocop? Ouais, je l'ai dit en ami tout à l'heure. Ah, d'accord. Ouais, ouais, il y a un jeu qui est sorti ou qui va sortir. Non, mais qui est sorti. Ah, il est sorti, ouais. Ouais, est-ce que je l'ai vu en lien louche, D'accord. Tu l'as vu en lien comment? À louche. Ok. Dame. Ah non! Oh, comme ça faisait que 4 fois qu'il le disait d'affilée. Ah bah, ainsi de louche, c'est ainsi. Où tu vois pas tout. T'as pour toutes les pièces qui tombent dans la flotte, c'est y a une tsunami. Donc ouais, donc il y aura ce jeu là aussi. Il y a eu un bon cru 2023, une bonne année. Donc. On verra si 2024 sera aussi beau. Il y a des. Il y a un bon lancement, on va dire, déjà pour 2024. T'as ouais. Le nouveau Tekken et t'as FF7 partie 2. Ah ouais, c'est... Pour la fin d'année. Non. Ah, c'est horrible. Dis donc. La porte du bonheur. Et enfin, on sent qu'on arrive dans les next-gen. Ça commence à vraiment y arriver. Ça commence à être la current gen, il était temps. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est des gens de notre, faut qu'on mette. Ben, je veux dire, tant que la PlayStation 5 n'a pas des exclusivités qui m'intéressent, j'ai pas de raison de changer de console, mais là, s'ils commencent à avoir des vraies exclusivités par rapport à la génération précédente qui sont pas accessibles ou qui sont pas galvaudées, bien sûr que là, ça devient vraiment intéressant. Et cette année commence à le marquer le pas. 2024 devrait être l'année de transition et peut-être 2025 sera la vraie année, vraiment 100% de... Ça devrait être la dernière année de résistance des générations PS4. Bien que la Xbox One, elle est déjà morte, mais vraiment la PS4 qui est là. Mais bon, ça me fait marrer parce que c'est... ça va être à peine l'année de ces consoles-là qu'on te parle déjà d'une PlayStation 5 Pro, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, peut-être qu'avec le départ de Tintin, ça va peut-être changer la donne. Déjà, ils veulent supprimer les MR services, là, et ça, c'est pas plus mal parce que les jeux à la Fortnite, c'est pas pour moi. Oh là, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord. Qu'il y ait quelques jeux comme Fortnite, pourquoi pas, hein, que Sony ait son Fortnite, je suis pas contre. Il ne faut pas qu'il que ça. C'est beau. Bon. GG. Il en faut pour tous les goûts. Et peut-être 2024 sera aussi l'année d'une nouvelle console Nintendo. La N64 4K émulée. Non, ça c'est pas une nouvelle console, et en plus c'est même pas Nintendo. Ah, mais c'est pas vrai. Non, non, une vraie, une successeuse à la Switch. Le pire, c'est qu'on comprend ce qu'il veut dire, c'est ça qui est beau. C'est comme ça qu'on dit, successeur. Une héritière. Ouais. Ouais, ça fera moins tendance. Oui, aussi. J'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. Oui, je sais pas si Bassoff est au courant, mais il paraît que en 2024, il devrait bientôt sortir une Switch. Non, pas pardon. Une N64 4K. Ah.
une console, mais la particularité, c'est qu'elle sera compatible avec les écrans modernes. Mais toutes les anciennes cartouches et toutes les manettes de l'époque aussi. En plus de l'ère actuelle, quoi. J'ai envie de te dire, il y a un émulateur qui fonctionne déjà très très bien, auquel je joue régulièrement. Ah ouais. De la N64. Ça j'en veux. Ouais, mais... Ouais, avoir un émulateur physique, ça me plaît. Hein. Il faut que ma base c'est cool, là, je veux pas m'en sortir. Si c'est aux alentours de 300 euros, moi je l'achète. Si c'est au-dessus de 300 euros pour des jeux N64, ça fait cher la console. Hein. Mais toi, arrive-toi avec la vraie manette. Hein. Au moins, essayez. La vraie manette de merde. Essayez le trident. Ça doit être spécial là, quand même, la N64. Je veux dire, c'est une manette qui est vraiment spéciale, qui est à la fois moderne et rétro. Parce qu'elle a qu'un seul stick analogique et jouer avec une manette qui a qu'un seul stick, ça doit être un peu spécial quand même. Tant que j'aurai pas une base stable, j'y arriverai pas. Ah dommage, ouais. Je retrouve une base stable sur la fin. Le fameux perspectac, perperdac et perperdac. Ah. Voilà. J'ai rien compris. De toute façon, c'est normal, je parle un langage codé, tu peux pas comprendre. Perfect Dark. On va bien essayer. Encore une fois. Perfect Dark. Bon. Encore une fois. Perfect Dark. Non, encore une fois. Quoi, c'est Perfect Dark, tu vas pas m'embêter. Regarde bien les lettres. Oui, bah c'est à peu près ça, je pense que tout le monde a compris. Bah, attention, parce que Perfect Dark, je crois savoir que c'est une œuvre vidéoludique véritable. Donc, bah sois oui. Certain, pardon, de désigner la bonne. Bah oui, je parle bien du jeu vidéo. D'accord. Et comme Golden Eye aussi, c'est mon ancêtre. Hype, c'est Hype maintenant. C'est nouveau, Golden Hype. Putain, arrête de la ferme. Ah, vous inquiétez pas, quand il sera sexy, il ne pardonnera aucun type de langage, on ne pardonnera rien. Moi que ce soit pas. Moi, oh PBC, j'y croyais pas. J'ai pas tant fan. J'ai streamé le PBVC. Hein? De quoi? Je vais streamer le PBVC, comme ça on va pas m'entendre. Bah là, déjà, on t'entend pas, t'es aux toilettes? Non, non. Achète-toi un bon micro, puis après tu pourras parler. Bah, c'est vrai que ça joue, hein, les micros. Faut d'abord penser au mode radio avant de penser au mode télé, j'ai envie de dire, dans Twitch et compagnie. Donc ouais, Golden Eye, c'est loin. Hein. Aïe. Golden Eye. J'ai dit Golden Eye. Golden Eye. Golden Eye. Non, j'ai dit 9. Ah, ouais, c'est vrai. Bah, Eyes 9. Ouais. C'est pas évident, c'est vrai. C'est plus sexy à la base, donc moi l'anglais j'ai mal, vraiment. Mmh. Alors, tu n'avais pas. Hein. C'est bien, tu fais des efforts. Ah, même, c'est fou. Mais dis-le, ça n'a aucun rapport avec retourner à l'école ou quoi que ce soit. Putain. Merci. Bon. Non, c'est juste qu'elle est déjà à la N de l'école. Oui, aussi, mais t'inquiète. De base. Non, ma tour ah, ça vient pas, ça vient pas. Ça... Non, mais vraiment. Oula, j'ai commencé depuis le début. Oh, ça partait si bien. Bon, tant pis. Bugulu. Bugulu. Mais non, pas très très vite. C'est si, Bugulu. Encore plus, malheureusement, plus de mal que moi en anglais, c'est Dragon Sky. Ah, sa prononciation anglaise est pire que la même, ce que je n'aurais jamais cru, mais. Oh, le pitié. Aidez-moi. Merci. Donc oui, il y a sera Mario 64, Mario Kart 64. Il y a eu quelques bons jeux intéressants.
Ouais, pourquoi pas, après avoir pris franchement beaucoup de 4, c'est Banjo et Kazooie, pourquoi pas. Ça tient pas. Mais non, mais c'est quoi ça, c'est une quête là, c'est une croix. T'inquiète, c'est cadeau. J'ai pas de... Allez, du coup, ça leur fait concurrence à la Switch, quoi, comme il y a quelques jeux 64 dessus. C'est surprenant. Non. Oh, bravo. Ça va se jouer à une brique. C'est pas du jeu. Bah. GG. Encore une scène. Ouais, c'est, ça s'équilibre à donf là, c'est fou. Et puis j'avais trouvé un sujet de mécontentement, mais j'ai plus coupé. Donc ça me reviendra pour la prochaine fois. Ouais. Bah, je pense que je referai une vocale le week-end qui arrive. Théoriquement, j'y mets théoriquement les bénis, mais il y aura peut-être autre chose, je sais pas. Ouais, ça me manque. Surtout pour ce pauvre bateau qui n'a plus le droit de participer. Moi, vu ce que je fais, je vais être battu. Pareil, battu. Bateau. Ah, il y a quelqu'un qui a perdu. Bastos. Il ne démérite pas. Et l'exercice de style est délicat. L'écart, c'est le droit à vos erreurs, je suppose. C'est ça. Ouais. En même temps, ils ont perdu. Ouch. J'ai un petit souci. C'est foutu, là. Ouch. GG. La remontade à DJ. Exactement. C'est génial. Super coupe, ultra disputé, c'est magnifique. Ah d'accord, celui qui arrive quatrième, il a rien du tout. Exactement, ouais. C'est cruel. Hein. C'est cruel. Ouais, vous êtes à peu près sur la même ligne, hein. C'est bien. Heureusement qu'on peut avoir plus que 4. Hein. Ça me fait penser que Nayone n'est jamais revenu du coup. Oui, mais je pense que c'est un garçon discret, il avait sûrement d'autres choses à faire, il a voulu faire un petit coucou. Il est adorable. Ouais, je pense que comme on est le 1er novembre, peut-être qu'il avait un repas familial ou quelque chose comme ça. Pas exclure. En connaissant mes lunettes, je m'en fais pas plus que ça. Ah! Pourquoi pas? Waouh, la grande barre! Le quatrième, je crois qu'il fait, mais il a une grande barre. C'est moi, le quatrième. J'essaie de gérer au bon mieux. La fleur, on dirait un œuf. Oui, j'ai pris les briques de Pâques. Parce que t'as Halloween, t'as Noël, t'as je sais plus quoi. Oh merde, on y retourne.
ou pas? J'ai les classiques Noël, Halloween et Pâques. Et y'a d'autres, y'a d'autres à acheter. En plus, ouais. Non, 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 mon piano. Tant pis. Mon piano. Ah, ça commence à tomber sévère. Ah, tu vas rencontrer mes cupides. Oh, joli. Ça, par contre, c'était moins bon ce que j'ai fait. Oui, je préfère qu'elle tombe. Mais non, mais. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait, fichu? Non, ça correspond pas non plus. Ça bouge. Il y a du vent, hein. Ouais, 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 c'est l'horreur. Oh là là! Faut prendre la tête de la chute là. Ah, oh, bravo! Magnifique! Oh là 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 là! Remonte à l'or! Wouh! On a perdu là, j'ai rien de continuer. Hein. Oh l'autre! Mauvais perdant. Mais c'est toi qui as le niveau de brun là. Putain, je déteste ça. On peut le faire! Reste concentré! Comme le jus d'orange. Oh non! Non, c'est dégueulasse! J'ai vu l'ambition de Bastos ici. Je le retente. Attention, nouveau coup d'ambition. Et non. Dommage. Ah bah là, c'est. Et le sage, oui. Tu sais pourquoi les chevaux ont toujours des fers propres? Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, des selles propres, non? Non, des fers. Leur fer pour leur papa. Ah, leur fer, oui, pardon. Ah, petit Seb t'a envoyé un raid. Priorité au direct. Merci, petit Seb. Merci. C'est très gentil, bisous. Alors que je continue mon direct de folie avec les copains, j'espère que toi ça se passe bien de ton côté, petit Seb. Merci tout le plein d'avoir compensé à moi. On se retrouve samedi, hein, normalement pour du Starbound, petit Seb. C'est bien. Que mon copain fait des raids à petit Seb et qu'il te les a fait à toi, c'est très drôle. Ouais, c'est gentil, merci. Hey, je serais bien passé, petit Seb, mais comme je suis ici, je n'osais pas parler. Donc... Avec Eddie aussi, qui sera avec vous. Oui. À 3, c'est sympa. Si je me sens bien d'ici là, ouais. Ouais, je pense que t'as un peu du poil de la bête. Ah, j'ai un problème avec les oreilles. C'est un relais de chaîne. Le poil, je sais pas. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, Jean, soyez bienvenus. Bienvenue. Ah ouais. Oh mon dieu, on a perdu les garçons, ils sont devenus tout fous. Alors, je disais pourquoi les chevaux ont des fers propres. Ah oui, je sais plus, oui, pourquoi ils ont des fers propres. Faut que je réfléchisse à ça en même temps que de jouer, sinon mon cerveau est en train de rentrer en ébullition. Les fers propres, les chevaux, pourquoi les fers propres. Pourquoi la propreté avec le fer. Attends, je réfléchis quand même. Moi, j'essaye de mouler le fer. Mais c'est pas pour les enfants, vous savez aussi. Je lui pose la question parce que c'est le streamer, mais. Ils font beaucoup, mais. Ouais. Ah! Pourquoi des fers propres? Les gars, si tu fais perdre ton patron, je le dirai. Au bout de 2 ans, il faudra payer des préavis. Il va en avoir beaucoup, hein. Oh, c'est sympa ça. J'adore parce que je me suis pris un karma de tarlé fou. On va fêter nos 3 ans, moi et le sage. C'est une noce de quoi ça, 3 ans?
Je sais pas. Une noix de noisette, je sais pas. Ah! Bien joué. Le piano pétrifié, moi qui tombe, trop drôle. Pourquoi les fers à cheval propres? Pourquoi il a des fers propres? Je vois pas, je donne ma langue de chat, je vois pas du tout. Froment. C'est les noces de froment, Bastos, 3 ans. Les froments? Ouais, bah c'est parti. Ah ben parce qu'ils ont des fers à repasser. Oh mon dieu. Oui, aïe aïe. Ah ouais. J'aurais dû garder ta logique, ouais. Effectivement. J'avais pas enclenché le... l'option logique fun fan. Ah. Mais encore merci hein, pour le relais de chaîne, petit Seb, c'est adorable. Merci tout le monde. On peut faire la charte à Aerostar. Ta blague, hein? Oui. Bon, Denis Brouillard, ça va être touché. Eh punaise, allez, défaite ce niveau. Non, là, je peux pas, tant pis, je vais perdre une vie. Ouais, il a bien. Ouais, je sais. My phone is dead. C'est ça, Twin est premier et Twin Sand deuxième, et encore moyen d'avoir une partie. J'avoue. Non, le sage. Non. Mais le sage. Mais oui, mais voilà. Ouais. Croyons toi. GG. Donc normalement la coupe revient, voilà, à Twin Sand. GG Twin Sand, c'est bien. GG. On voit qu'il gagne quelque chose. Oh, il avait déjà gagné précédemment. Oh, c'était violent. Mais c'est parce que tu regardais Game One. J'ai pas dit. Ouf. C'est intense. C'est normal qu'il a gagné, comme il avait l'ordi le plus lent, il a le plus de temps pour mettre les briques. Ouais, c'est ce que j'appelle une base solide. Oui, c'est de la mauvaise foi. Il en est parfaitement, je crois. Oh, c'est honteux, je peux pas faire mieux. Et quand tu auras terminé le premier Espagne Lucky, tu feras le deuxième? Je pense pas. Je honnêtement, si un jour je finis Espagne Lucky, ce serait fou. Ce serait je deviendrais tout fou. Bastos. Oui. Quand tu peux plus mettre de pièces, la dernière, la jette pas dans le vide. Parce que t'as vu, ta base est montée, du coup t'as perdu une pièce. C'est vrai. Si tu l'avais juste posée sur tes autres pièces, elle serait juste disparue, c'est la celle que tu viens de poser, et du coup t'aurais gagné. C'est exact. Merci. Parce que rappelons que j'ai acheté le jeu aujourd'hui. Et... ah ouais, vous pouvez faire des inégalités, je pensais qu'il y avait qu'un seul joueur qui pouvait gagner. Non, 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 certains modes de jeu... Allez Twinson, il faut trop faire, t'es en retard. Oh mon dieu, ça va. Gros cube. Ça va moi. Et je suis sûr de rien là. Oh non.
quoi ça? À chacun, d'accord, je croyais que c'était une barre commune, mais chacun a sa barre en fait. Ouais, c'est notre hauteur. Ah, mais il y a quand même une barre ultime quand même. Ouais, c'est la ligne d'arrivée. Aïe, le numéro 2 là, il a perdu. Oula. Pourquoi j'ai mis pas plus? Pourquoi? Oula, c'est bien bancal, on croirait dans Fort Boyard que j'ai vu ça. Avec les oui, les c'est. Et qui sont de troubles chez moi, j'avoue. Pas les urines, mais autre chose. De mettre pour déstabiliser l'adversaire. J'ai tout perdu. Je recommence au début. Non, non. Bon, ça prend chaud, ça prend chaud, ça prend chaud. Ouais. Je fais exprès le sage, comme ça vous avez une caméra plus petite. Oh, c'est terrible. Ah, ça m'a aidé cette épaisseur, ça m'a aidé. Bravo. Mais je suis du joueur poussé. Oh, c'est terrible. GG. Je pense que c'est bien géré. Le guac du vainqueur. Et qui n'est pas à la maison sur ses briques, il peut avoir. Je sais pas ce qui se passe si c'est ça. Imagine, ouais. C'est un succès, je sais. Une scène, il s'est déjà refait, attention. Non, non, lors d'une partie précédente, il avait foutu la maison dans l'eau, donc ça a rien fait. Ah, ok. Ouais. Tu as pris le risque d'essayer. Oui. Parce que je voulais la foutre à la base de la maison. Ah oui, ok. Il téléphone maison. Ah, je crois que t'avais programmé éventuellement FunFan de faire son tour d'antenne un jour le Night Trap avec comment il s'appelle? Dana Plateau. Oui, la regrettée Dana Plateau là que j'adorais. Bon, là pour que je fasse le jeu, mais il faudra attendre des années. Hein. Oui, mais tu désespères pas de le faire un jour, quoi. Ah ouais, mais là dans tous les cas, j'achète une Mega Drive, une Mega CD pour le faire. Quoi. Mmh. Je vais jouer en français parce que la version PC elle est en anglais, je pense que c'est toujours en donné courant qu'à cette époque-là, mais. Oui, peut-être un jour, ouais. Merde! Pardon, j'ai pas vu. Mes PS1 et mes 64 rétro, après on verra pour la Mega Drive. Hein. Mm. Ah, ça me fait chier parce que j'ai vu que je peux faire avec la Mega Drive, je suis obligé d'acheter ces accessoires. Hein. Il faut avoir une Mega Drive et une Mega CD pour ces jeux-là et je sais plus trop quoi pour vous aussi. Bon, on verra, on va prendre pour la prochaine Mega Drive. Oh, j'aurais jamais cru. Oula. Comme quoi, il vaut mieux être un lièvre. Non, une tortue qu'un lièvre. C'est ça, c'est ça. Le lièvre et la tortue, c'est exactement ça. Ouais. Attention, Tunsen va revenir là. Il le fait exprès de vous donner un peu d'avance et après il revient et il gagne les deux derniers morts. Tunsen, il s'est passé pour un double que vous le sous-estimez et après il devient super fort. Ouais, c'est une stratégie. Stratégie folle, mais sans étude. On va dire qu'il a une grande capacité de résilience, d'une scène. Il se refait très vite. Chaque est beau. Pourquoi j'ai fait ça, moi? D'accord, le premier qui atteint sa ligne a droit de pouvoir utiliser un bonus ou un malus. Exactement. Ouais. T'as compris, dis donc, hein. Oh putain, t'avais pas de plus rien, c'est vraiment un contrat comme ça. Pas comme si je regardais le jeu attentivement. En fait. Et puis je le dis pour les spectateurs qui n'auraient pas fait attention. Ou pour ceux qui arrivent.
toujours bien. C'est vrai. C'est apprécié. Beaucoup de la chaîne, mais ça, c'est beaucoup de trucs pour leur expliquer. Voilà, j'ai une base solide. Et bien, plus on passe un premier, plus ça monte. Et bien, ça fait des étages logiques, en fait. Allez, je suis le plus à droite et le plus bas, et c'est le plus à gauche. Et... Allez, c'est beau, mais la hauteur à part. C'est en premier, idée, ça. Le premier, là, il faut qu'il fasse attention, hein, parce que ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, c'est assez. Sur la tangente. Oui. Ah oui, on y croit. La mère stratégie. T'étais malin pour le coup. Hein. Oh merci. Et là il met la plan sur un concurrent et c'est. J'aime ma tour panoramique. Elle fait très stalagmite, hein. Elle maigrit au fur et à mesure qu'on prend de l'altitude. Ça fait peur. Encore la stratégie de l'escargot, le sage, ça marche. Oh. Oh. Waouh waouh. Vincent, tu commences à accuser un sérieux retard là, faut trop faire. Hein. Oh, tu fais de la pression. Allez. Donc. Comme tu l'appelles Twin Twin, le sage. J'ai l'impression que c'est un personnage de Oui Oui, tu sais. Il va dire Twin Twin, avec tes amis. On s'est fait enrhumer, AJ, mais quand même. Oui, bah, il y a un jeu. Isako. C'est ça. Oh, bah, terrible. Oh, terrible désillusion. Ah, oui. Oh là là là. Ah, c'était très bien parti. Oh, le karma. Oh, bien. J'aime ce que je vois. Et de temps en temps, je vois un timer 3, 2, 1. Ah, putain. Oui, c'est... Oui. Le 3-2-1, c'est pour vérifier que tu as pas trop d'instabilité dans ta structure et tu dois tenir la ligne à atteindre d'arrivée pendant ces 3 secondes et éviter les coups de vent, les défaillances, les glissades de ta structure. Et voilà. La pression est terrible pour les joueurs, le décompte de 3-2-1-0. En fait, la stratégie de Twinsen, c'est ou premier ou rien du tout. C'est sa stratégie. Il veut que des hommes. C'est la stratégie de l'escargot gagnant. Il se dit que comme ça il a le plus de 1 et à la fin c'est le plus gagnant. D'ailleurs c'est celui qui arrive en premier qui gagne ou c'est celui qui a le plus de 1 à la fin? C'est le premier au niveau des coupes, au niveau du score après chaque manche. C'est celui qui rallie l'autre bout sur la droite qui est vainqueur, mais en nombre de coupes, attention. Parce qu'il y en a plusieurs joueurs qui peuvent arriver à atteindre cette limite. C'est celui qui a plus de coupes au final qui remporte les championnats. Retour. 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 Demain, pas en retard. Ça tombe, ça fait peur. Non, mais vas-y. C'est les chinois qui font le plus de tombes. Hein? Ils ont des monsieur tombes. Nous, on a le monsieur propre. Eux, ils ont le monsieur tombes. Voilà, hop, une base immuable. Ça reste. Le premier là, il fait une belle tour. J'essaye en tout cas. Non, non, mais vos grand-mères, les pièces, vos grand-mères, les usines. Ah, à chaque fois que tu tombes à côté de moi, j'ai l'impression que tu vas t'effondrer sur moi, c'est horrible. Ça fait peur. Hein. D'accord. Ne t'inquiète pas, c'est sécurisé. C'est Bastos, celui qui est deuxième, c'est LG. D'accord, je commence à voir qui est non. Celui qui est dans le sens là, c'est le sage qui nous saigne, LG Bastos. Ouf,
ça bouge plus. Et aussi. Comme il n'y a pas marqué vos pseudos, qu'on a mis des avatars, t'as... C'est ça. Puis je sais, c'est pas facile. Ah, c'est... Qu'ai-je fait? Oh, malheur à moi. Mais c'est joli. Tu m'étonnes. C'est culotté ou on l'attaque? À la page, mais un peu plus dangereuse. Là, oh, passe. C'est bien parti, tu vas gagner, Mastos. Ah non. Ça va, Mastos? On est au même point. Peut-être pas, ne parle pas. Malheur, je crois, Mastos. Mais on est au même point, t'inquiète. Une scène, une scène. Enfin, c'est toujours avec sa stratégie d'être premier ou rien, une scène. Ah non, ça va pas prendre. Le singe, t'as une occasion de trop faire. Comme ça. Oh, à une brique de notre histoire. Oh, à plus, bisous, Torata, à plus. Merci d'avoir été là. Ah, mon dieu, cette folie. Ah oui, il fait du R4. Sacré Torata. Ah, en pro, ouais. Oui, il a bien du courage. Ah, j'ai vu passer un coup de talent. Ah, il a fait un coup de talent. C'est précipité. Et 66, c'est quoi? C'est le nombre de briques? Oui, 66, c'est le nombre de briques à poser. Ouais. Mais... Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux 69. Oh, le... Et il existe pas mal de variantes de Tetris cochon. Hein, où j'avais rigolé avec mon cousin quand on était ado, on l'avait trouvé gratos et en fait bah, c'était des personnes qui s'imbriquaient. C'est mignon. Bon, à la fin, à la lecture du score, ça fait très partouze, mais le principe est là. C'est bon. Le principe reste le même. C'est le premier à avoir une barre. Mais ta mère, elle a fait ce qui est tombé là. Oh, là, c'est difficilement visible. C'est horrible. Là, je suis. C'est vraiment petit. Ah, c'est pas mieux. Non, j'y crois pas. Bah, ça, c'est la absolument. Heureusement que t'es pas sur le nombre de briques que vous installez, mais le premier qui atteint la ligne. Ouais, non, non, la ligne en fait c'est juste pour avoir un pouvoir magique. C'est pas une ligne d'arrivée. Non, je parle de la ligne d'arrivée, c'est celui qui atteint le premier la ligne d'arrivée. Mais là y'a pas de ligne d'arrivée. Y'a pas de ligne d'arrivée. Non, là le non, but non. C'est de. D'empiler un max de pièces sans que ça tombe. Adieu. En fait, ah, dans ce mode là. Pour gagner, c'est soit tes adversaires perdent leurs 3 vies, soit tu empiles tout, enfin, les 66 pièces. D'accord, en fait, moi je croyais, en fait, ça mélange les modes en permanence. Moi je croyais que vous prenez un mode, et tant que vous n'avez pas terminé ce mode et le changer, ça le. Non, là c'est une partie qui a tous les modes inclus, quoi. C'est cool ça. Ça vous fait de la variante en permanence, quoi. Oui. D'accord, j'avais pas lu le jeu comme ça, moi. Possible, balle de bac. Là c'est le premier à la ligne d'arrivée. Ça c'est le genre de truc, tu vois, quand je joue déjà à RE5, quand à RE il change les modes, je sais même pas où j'en suis, alors là, un truc comme ça, moi je vais perdre de suite. Hein. C'est bien, vous avez le mode course, le mode construction, le mode malus. Ouais, mais il y en a que 3, tu vois. C'est un jeu pas très cher, indé, je suppose, donc c'est beau ça. Peut-être ça viendra avec du mise à jour. Ouais, le jeu il existe quand même depuis un petit moment déjà. Mais... Mmh. Ah, je... Bon bah, c'est mieux que les installs. Ça aurait été bien, ça, qu'il m'a fait une bonne gamme. Oui, oui, bah écoutez. Ah, oh, c'était trop. C'est pas moi qui joue, c'est pas. Génial, j'ai une base glissante. C'est hyper rassurant pour la suite. On en est tous à ce point là, le sage, t'inquiète. Faites. Heureusement qu'il y a du soucre parce qu'à Visa, il n'y a personne qui peut faire du soucre. Thank you.
C'est un mauvais spot. Oula, qui c'est qui coule à donf? Je crois que c'est Winston qui nous a. Non, non. Ah, c'est Bastos. Oh, le pauvre. Ah, oui, ça, c'est moi. De gauche à droite, ça fait le sage, Winston, moi, Bastos. Donc le premier c'est toi DJ, celui qui est deuxième c'est Winston et le troisième le c'est ça. Oh bon courage Bastos, parce que là pour construire avec cette vue... Non. C'est vrai. Il a gagné, bravo. Bah j'ai fait DJ. Bravo. Merci. Et essaye de mettre la maison chez un concurrent pour que ça gagne du point. Tu peux pas. Tu veux pas. Non, non, en fait, on est à grande distance les uns des autres, mais c'est le rapprochement avec le découpage visuel qui donne cette sensation. Mais non, c'est pas tu possible. Même sur les côtés de notre tour, il y a des portails qui font que... Ouais. Ah, Twinsen, ton premier 3. Ça va faire bizarre. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Oh, le con. Pardon. L'honneur est sauf, une brique. J'ai voulu mettre la barre verticale, sauf qu'elle a passé l'autre. Aïe. Ouais. GG au sol. Merci. GG. T'as fait plaisir, je vous l'avoue. Bon bah celles qui veulent enchaîner encore et encore, hein. Vous êtes invités à rester sur les lignes de départ. C'est beau. Merci messieurs. Depuis tout à l'heure tout va bien. Bon je vais couper le micro. Coucou. Là je suis toujours là. C'est que t'es concentré alors. Oui. Sûrement. Je veux sa revanche. Je pense à Half-Life. Ah. Non mais c'est pour l'énerver parce qu'on ne va pas prononcer le nom du jeu. C'est Half-Life, Half-Life. Ouais, demi-vie, demi-vie. Nucléaire. Ouais, je sais en français, c'est demi-vie. Heureusement d'ailleurs qu'ils l'ont pas vendu à la traduction française, parce que si le jeu avait été traduit, demi-vie, je sais pas si ça aurait marqué avec un truc comme ça. J'ai bien aimé là. Oh non. Bêtise de ma part. Ouais d'ailleurs. Ce qui est génial dans ce jeu, c'est que si par hasard tu tues un garde de sécurité, si tu vas dans une autre pièce et compagnie, les autres gardes ne le trouvent pas. Ça c'est. Mmh. Ça fait que t'as pas tous les gardes qui vont te tomber. J'avoue que c'est pas mal. Oh, oui, oui, oui. On est en 1998, ils n'ont pas la communication radio. C'est plus wet. Edgé, ça va être dur pour toi, là, j'ai l'impression. Oh, mais j'ai perdu, là. Ouais, c'est un mauvais truc. Et là, on a plus une scène de revanchard. Là. C'est beau. Mais il n'arrive pas à garder sa structure. Là. Oh vache. Il y a une bombe nucléaire qui l'a refusé, ça. Oh, joli, bravo! Il est fou, quand même. Cette fois, il a changé de stratégie. Ah ouais, celui qui est premier, il a direct deux médailles.
3. Ah oui, on a revu le sage, sa compilation de clips avec Altaï. Oh, ça me tue toujours ce clip quand le docteur il dit je vais vous soigner qu'il éteint la lumière. Oui, mais oui, ça fait le docteur gros pervers, ouais, c'est génial. Cette scène est très drôle, ouais, c'est, je m'en souviens. Mais il y avait de ces bugs dans ce jeu qui étaient très drôles. Oui. Des médecins qui marchent bizarrement, des soldats qui se font dessus sans raison. J'ai vu aussi quand j'aurais accompli les soldats, ils viennent tous chez toi, tu les tues à le pompe par un. Allez. Ça, c'était les genres de bugs qu'on apprécie, qui étaient marrants. Oui, oui, pas forcément, ouais. Ouais. Bon, à part le bug de la lumière, relou, il soigne pas et du coup. Surtout quand tu sais que les scientifiques. Ils te mettent une petite, ils te redonnent. Alors, les scientifiques, pour que tu soignes, il faut que tu sois en dessous de 50 points de vie, donc. T'imagines quand t'es à un point de vie et que l'autre il doit pas te soigner et qu'il éteint la lumière, bah du coup t'es bien embêté à faire avec un point de vie. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que ça peut être du jeu. Bien joué. Ah. En plus, pourquoi il va être du jeu studio pour se cacher du zombie? Ah, et Jay qui revient sur la partie. Tu vas stream jusqu'à quelle heure, le sage? 21h, je ferai sûrement relais de chaîne à Bastos et puis. Parce que après, je vais épuiser. J'espère que ça me laissera temps de faire un coucou à. Parce que ça prend déjà 2h30 direct pour ton retard, mais non. Ouais, ouais, au moins je profite bien de mon jour férié en votre compagnie. Je vous en remercie parce que pour moi c'est que du bonheur. J'espère que vous aussi. Ça fait du bien. On n'est pas le même enfant. C'était pas la journée des enfants, c'était la journée du sage. Mais merde! J'ai pensé à un autre mode de jeu en fait. Du coup, je pensais plus qu'il fallait pas dépasser la ligne. Enfin, je m'en sors plutôt pas trop mal. Je vais pas me plaindre. Ah ouais, le sage, j'ai appris ça et je suis triste d'apprendre ça. Voilà. Il y avait Anima, je sais plus trop quoi, il parlait d'un certain, parce que il y a eu aussi le boycott par rapport à la pub, son émission est aussi boycottée par rapport à la position qu'ils ont sur la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Pas la bande de Gaza, tout ce qui est israélo-palestinien, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Je sais plus. La bande à Basile. Voilà. Attention, la bande à Basile. Je ne veux pas que tu te fasses boycotter non plus par rapport à ça. Donc, je m'en excuse. T'as vu l'anglais. Et c'est pas ça qui m'attriste. Pas chacun fait ce qu'il veut, mais il a dit que son émission va rester en antenne jusqu'en 2026. Voilà. Il a dit que c'est signé et tout. Donc il peut encore se farcir l'animal de l'ennemi. Non mais t'as un pouvoir merveilleux qui s'appelle la télécommande. Ah oui. Non mais moi je regarde pas, mais ça m'attriste que je sois encore à l'antenne. Ouais. Ah oh, c'est horrible. Je suis très mal engagé. De toute façon, quand on lève cette émission ou pas, hein, la télé pour trouver des programmes pour faire encore plus vidéo, il faut encore. Lui ou un autre. Non mais comment voulez-vous. Voilà. Allez, au moins ça c'est fait. Quand même, quand tu invites quelqu'un et que à la télé tu le traites de. Merde. D'autres noms d'oiseaux. Oui, que ça s'apparente à du lynchage médiatique. Enfin, médiatique, c'est pas le bon terme.
mais oui. Une humiliation, oui, en public, on va dire. Oui, non, c'est moche. Eh ouais, c'était ça par rapport à... Pas par rapport à lui, mais ça reste dans la même partie, là. Il y a le député François Ruffin, hein, où on lui fait des... Je crois qu'il a un dépassement de frais de mandat. Parce qu'il a acheté une quartière qui valait, je crois, 300 et quelques euros, je crois, 324. Et il devait en acheter une à 244. Et du coup, on veut lui retirer des salaires ou je sais pas quoi. Quand tu sais que lui, comme député, il n'accepte d'avoir des salaires que le SMIC, et qu'on l'embête pour des frais de mandat qui sont une centaine d'euros, ça, bien dommage, quoi. Il y a peut-être que d'autres personnes à embêter parce que... Surtout une cafetière, en plus, il a dit qu'il a pris une cafetière française. Mmh. Bon. Après, le règlement, c'est le règlement, mais bon. Mais bon, bien, oh, bien peine. Bon, après, je suis qui va aller bien, mais c'est le seul député qui vient du SMIC. Mmh. Ouais. Il y a peut-être ce à faire à l'Assemblée. Parce que moi, je vais leur dire s'ils veulent faire des économies, par exemple, à l'Assemblée, au lieu d'embêter pour une cafetière. Par exemple, quand la présidente, aujourd'hui, mais avant, c'est le président, hein, tiens, sur le perchoir, il y a des gens qui sont devant et qui prennent la trompette, qui font par la tradition républicaine. Si déjà on pouvait lever cette tradition qui ne sert strictement à rien, parce que c'est juste de la symbolique, on ferait déjà des économies, parce que juste payer des gens pour taper sur un tambour, peut-être qu'il y a quelque chose à économiser. Et du coup, l'autre, eh ben, c'est 100 euros, on lui donne pour sa cafetière, à la place de ses salaires. Bon, après, c'est pour ces gens-là, mais ces gens-là, ils peuvent se reconvertir à quelque chose, là. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Figure-toi qu'en France, le fait d'être politique, c'est pas une signature. Il y avait un excellent article de je sais plus quel journal après l'élection de Macron, parce qu'il y avait un ras-de-bol français pour la politique ancienne. Et en fait, les anciens politiques ont eu du mal à se convertir dans le monde professionnel. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a eu des drames, mais il y en a qui se sont retrouvés au chômage longuement. Parce qu'ils avaient dans le CV le fait d'avoir été député ou d'avoir une responsabilité politique. Et les entreprises n'aiment pas tant que ça, hein, faut pas croire. Ouais, non, mais là, je ne parle pas de député. Je parle juste de personnes qui a tapé sur un tambour pour un chien. Oui. Pas des politiciens purs. C'est des gars qui savent faire de la musique, hein, de la guitare et tout. Ils peuvent faire de la musique. Surtout que ça a été levé pendant la période de la pandémie. Donc on aurait dû le lever définitivement. Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs comme ça, que ce soit dans l'Elysée, que ce soit à Matignon, des emplois qui ne servent pas grand chose que sur les chiffres. Oh, mon malus m'a sauvé envers vous. J'en reviens pas. Une scène, ça l'a choqué, du coup il est parti. Wouh. Non, mais c'est peut-être le fait qu'on parle aussi, ça le déconcentre et il veut gagner. C'est une scène, je comprends. Honnêtement, connaissant Quinsen, je pense que c'est une raison personnelle vu l'heure qu'il est, peut-être qu'il y a des enfants autour de lui et il peut pas se faire aussi. Je pense qu'il nous écoute très souvent comme il le fait au téléphone. Là. Comme je l'ai dit, c'est pas cette discrétion. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et Edwin, il va bien comme ça des voyants, hein. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il vient, lui? Comment dire? Il vient plus des mois. Oh. Ah. Comment dire, les voisins ont des chats, c'est bien gentil, mais bon, si tu prends un chien, juste derrière,
Bah c'est un peu con. Ah bah oui. Et puis comme il s'en occupe pas super bien non plus, ouais. Le chat est parti voir ailleurs. Ah ouais. Comme quoi. Ils ont deux chats et un chien, le premier bah il est parti voir ailleurs. Mmh. Le deuxième bah c'est plus nous qui s'en occupons. Et du coup ils ont un chien. Chiens qui sont pas capables de s'en occuper correctement apparemment puisqu'ils se barrent très facilement. Ils ont pas encore compris qu'un chat devrait être sorti en laisse, surtout s'il est pas dressé. Ah oui. Et vous pouvez entendre mon ras-le-bol dans ma fonction. Donc comme ils ont eu un chien, le chat s'est barré en fait. Bah c'est un peu ça. Ouais. Pas parce que du coup faut que je rentre, parce que comme on est en période d'hiver, moi ça y est, je passe ma chambre, ni plus en sortir. C'en est une sacrée quand même, Minette. Ah bah je dors ma chambre en hiver, ça fait ce que je chaque minute. Chaque assiette. Voilà. Mon cerveau est bébé. En plus, attention, je dois lui mettre sa couverture et tout. Quand elle monte sur le lit, elle me miaule dessus, il faut sa couverture. J'ai plus mon lit, j'ai devenu le lit de Minette. Bravo. GG Bastos. Allez, savoure ta victoire. Il va la mettre plus haut. Là, il y a que le petit bout du sage qui reste. Quoi? Il y a que ton petit bout qui reste. Ça veut dire. Vivi. On aurait dit zen. Ah ouais, j'aimais bien aussi dans Half-Fly quand t'avais fait le bouclier bleu, Blue Shield, un peu avant que la catastrophe elle arrive et que t'as les scientifiques et le garde de sécurité qui commencent à se disputer. Ah, c'est quoi cette manigance? Qui aurait dû s'occuper de ça, machin? Et quand ils commencent à se disputer, t'as un troisième qui vient et qui leur dit il faut que ça s'arrête tout ça. Et il lui dit mais vous, votre passe-temps, c'est pas de faire des cafés? Oui, allez réparer la machine à café, ouais, c'est vrai, c'est horrible. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question de ma collection des folles aventures que j'ai vécues avec vous. Quel est mon clip favori? Même besoin, je pourrais pas faire une fois. J'ai mon fou rire mémorable avec le truc GIGN là, qui est devenu rattaché à l'émoticône quand je me fends la poire. Et en dehors de celui-là. C'est ça. Ah oui, justement, je peux pas trop y assister, mais ouais, le peu que j'ai vu du GIGN. Ah d'ailleurs, je voulais peut-être pas dire en parlant de ce jeu. J'ai vu qu'il y avait des records qui étaient tombés sur speedgame.com sur ce jeu-là. Il y a quelqu'un qui le boucle sur PC en 30 minutes et sur console en 1 heure. Bravo à eux. C'est marrant. On nous attaque. Tuez les otages. C'est ça. Non, j'avais un truc si beau.
avec Jacques Chirac modélisé en 3D, t'as l'impression qu'il fait pipi, mais sinon c'est sympa. Oula, pourquoi je la sens pas du tout? Oulala. D'ailleurs, je fais une vidéo de JDG, là j'ai fait, hein, c'est ce qui a rendu le jeu populaire. Hein, quand Jacques Chirac est mort, elle a repris une gaine de vue cette vidéo. Il dit, ah bah il a pas pu nous protéger, c'est bien dommage. Mmh. Non, c'était de la marée avec moi qui fais la vue de Jacques Chirac et tout. On a fait l'inverse. Je crois que c'est moi qui faisais le live sur mon film. Oula, oulala, qu'est-ce qui se passe chez moi? Mon dieu. Je suis reparti de la base. C'est horrible. Oh mon pitié, j'ai au moins une base solide parce que là j'en peux plus. Ok, t'es bien parti. Oh bravo. Encore une partie EG et t'as gagné. Ouais, faut que je termine minimum deuxième. Ah, parce que si t'es deuxième, t'as deux points aussi. Ouais, si j'ai deuxième, j'ai deux points. Ah ouais. Si c'est je suis troisième, j'ai qu'un point et du coup, j'ai pas encore gagné. Ah ouais, d'accord. Troisième, un point. Deuxième, deux points. Et premier, avec trois points. C'est ça. Oh, il doit plus faire le quatrième, il n'a rien. Ouais, dans 5 minutes tu vas revenir. Hein. C'est fini. J'ai encore de gros risques pour la suite. J'ai pris un gros risque qui va pas payer. Là, je suis dans la mouise. Oh. Je suis dans la mouise intersidérale. Oula! Une scène. Ah ouais, non, moi je suis foutu. C'est quoi ce cadenas? Ça vous empêche d'en poser, je suis pas là. Bah. Non, maintenant, la base est plus stable, c'est impossible. GG. GG à vous aussi. Et je vais m'arrêter là parce que je vais bientôt manger. Mmh. Ah, la classe c'est de partir sur une victoire, c'est bon. C'est bien. Peut-être qu'après. Si vous faites encore du tricky, bah, je vous reviendrai. Mmh. Si vous faites du flat out aussi. Mmh. Je vais peut-être finir sur du flat out. Si j'ai mon antenne encore 2 heures. Ah, je dirais pas non un petit peu de flat out. Alors, voilà. C'est ceux qui veulent rester, ceux qui veulent partir. Bastos, t'en as encore envie ou tu pars dîner avant ton direct? Comment tu le sens? Non, moi c'est bon, encore une ou deux parties, c'est bon. Petit duel, ok. D'accord. Ah. Volontiers, merci. C'est gentil de la part de Twinsen d'être resté jusqu'à la fin de la partie. Oui, il est resté longtemps, merci. Oui, merci à tous les participants, c'est génial. Thank you.
celle-là, je vais la trichoter. La jouer fair play ou allez-vous faire des batteries? Tout est possible. Consolider. De briques. Hein? Pourquoi t'as plus de briques? Parce que j'ai passé la lumière. Ah, tant que le sage l'a pas passé. Il faut continuer à empiler. Ouais, c'est un peu une épreuve limbo, ça. Un peu le même principe. Pas toucher la barre en flamme et passer en dessous. Ah! Ça fait peur. J'ai eu les jetons. Je sens que je vais regretter ma pose de. Ah, à moins que. Oh non, mais celui-là, les DLC là, les petits skins à acheter de Trinity Tower sont vraiment cool. Mm-hmm. C'est vraiment drôle. Ouais, c'est bien. Bon, ce réflexe félin que j'ai eu, ça m'a sauvé. J'avoue que j'ai eu ma dose de briques. Mmh. Je vais commencer à avoir des hallucinations, ma maison va être en briques. Qui c'est que c'est? Ah, c'est Twitson. Ouais, Twitson. Ah! Qu'est-ce que je fais? Malheur à moi. Ah merde. Bon bah je vais vous laisser du coup. Bonne app, bisous, bonne soirée, à plus, c'est Jay. Merci pour tout. Encore tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes. C'est bien. Ah non. Des zombies. Eh oui, c'est vrai, le club est Jebastos. C'est bon. C'est bon. Oula. Encore que ça me laissait le temps de bien poser le. Oh, c'est terrible. Ah. Non, attends, faut que je fasse chicler ce truc. Pas qu'il nous a du manque pour une telle. Ah, c'est fou ça. On dirait avec vos faisceaux lumineux que c'est Dieu qui vous envoie les trucs. Oh! Oh, c'est cruel! C'est cruel! Oh, ce duel! Pouf! Ça se joue à pas grand chose, effectivement. Mm.
Que je vais pas l'aimer cette pièce, je vais la détester. Non! Quelle horreur! Bon, je vais vous laisser, messieurs, mesdames. A plus, une scène, merci pour tout! Bonne soirée, madame. Léotech, il a fait une nouvelle vidéo, une guerre secrète arrive, tout va changer en 2024. Et toi, t'en as fait des nouvelles vidéos? Non? Bon, alors, voilà. Et toi, t'as a fait combien, toi, depuis le compte connu? Ah, zéro, je n'en sais pas. Ah mais bientôt. Oh, j'ai un château et un moulin, c'est beau. Au clair de lune, c'est beau. Oh, c'est super, oh, cette image. Bonne soirée, cette scène. À plus, merci pour tout. Tu te scènes, ciao ciao. T'enverrai le lien de Léotech. Non. Vous êtes terrible. Bref. Ouais, il kiffe Léotech. C'est la fin du monde! La dernière vidéo de Léotech. Mais à part ça, Bastos, t'as la main verte. Prends pas la grosse tête. Joli. C'est honteux. Oh là là. C'est pas fan de la reine des glaces par hasard? Reine des neiges? Ou assimilé? Ah! Ça tangue chez moi, c'est terrible. Je crois que j'ai jeté un froid. Ah! Le brigand! Ah! La charge de revanche! Oh mon dieu. Ah, je sais. Je sais pourquoi Quinsen il vient plus à Paris Games Week, parce qu'il peut pas rencontrer Léotech. Ah, mais en vrai il adore Léotech. Il demande en privé comment il va et tout. Il est fou. Ouais, ça peut tenir. Non merde, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Scandaleux! Ah bah je vois que c'est pas mieux chez le voisin. Il n'y a aucune fondation! Oh non, ces pièces de glace de la muerte. Ah oui! Totalement. Je suis totalement d'accord avec ce bonus. Oh, un peu de... D'accord. Non mais c'est moi qui ai lancé mon YouTube, c'est pour mettre le lien de sa vidéo. Ah, je me disais aussi. C'est renversant. C'est honteux. Ah. Ça me tombe gravement en plus ce genre de... Ah. Ah, c'est horrible. Ce qui m'embête avec le mois de novembre et le mois de décembre, ce sont des mois transparents dans une année. C'est-à-dire qu'ils existent. Oh GG! Vraiment, mais c'est-à-dire que en fait, à partir du mois de novembre, tout se projette vers l'année suivante. Toujours, pas le moment, on part déjà à l'année suivante. On commence à parler de 2024. Comme si l'année elle s'arrête le 31 octobre en fait. Sur pas mal de.
Il est temps de faire son bilan. Aïe, aïe, aïe. Oh, bon, j'ai encore 8 ans pour nous. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des machines. Je parle de novembre. Lui, c'est le mois mort. Mais décembre, il existe un petit peu grâce à Noël. Mais après Noël, vous voyez. On dit dans l'année suivante. Hein. C'est dommage. C'est comme ça. Non, moi je confonds souvent le 10e et 11e mois. Le novembre, octobre, je les confonds tous les deux à chaque fois depuis que je suis gamin. Ouais, je confonds le 10e. Ah oui, complètement. Ah non. Octobre. Attends, j'anticipe pour la prochaine brique, mais je peux pas en fait. Je peux pas faire mieux. Non, c'est impossible. Non, c'est vrai que entre septembre et décembre, c'est vrai que ça, une fois que t'as passé l'été, ça va une vitesse. Septembre, la rentrée du classe, octobre, Halloween, novembre, décembre, Noël. Et après, on change d'année. Mmh. Là, il devrait bientôt arriver le prochain calor. Le dernier de Bobby Kotick. Mmh. Oh, il n'a rien foutu lui, hein. C'est juste un président, mais c'est le dernier sous son époque. Le prochain Call of, ce sera un 100% Microsoft. Ah bon? Oh là. Non, ah, que ça a... Microsoft, ils ont racheté les Blizzard Activision Click. Ouais, ouais. Et ça y est, ça a été acté à tout le pataquès qu'a fait Sony et compagnie. Ça y est, c'est acté. On va plus en entendre parler, tant. Non, on va voir ce que vont donner la qualité des Call of et tout. Ouais. Microsoft, des fois, ils rachètent des trucs, ils en font des bons, comme Minecraft par exemple, il faut plutôt garder son bon esprit. Ouais, jusque quand. Mais quand tu vois qu'ils ont racheté Skype parce qu'ils ont fait des Skype, c'est devenu abîme Skype. Hein. Omed. Limite, tu le gardes pour papy et mamie, quoi. C'est beau. C'est moche. D'ailleurs, Microsoft, ils abandonnent Windows Phone aussi. Ah ouais. Ouais. Ça a pas marché comme il voulait. C'est pas bien, ça. C'est un petit bout de temps que j'ai pas fait mon actualité informatique et que je le fasse. Parce que je suis par perdre des infos et c'est pas bien. Oh, je suis sur Modo, même moi, j'aime bien tes actus. Oui, bah j'apprécie. Oh, bah, j'aime bien. Ah ouais, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, ouais, parce que les ventes étaient pas espérées. Bon, après. Il y a même des rumeurs qui disent que bientôt ils vont sortir Windows 12. Il n'y a plus que ça. Déjà que pas grand monde est passé au 11. Ouais, ouais. Oula. La situation est plus qu'improbable. Et pourtant... Alors qu'ils avaient promis que vous ah ça a pas eu du fric. Ouais. Malheureusement. Ah, c'est mieux comme ça. On y croit. Oh merde, j'ai un œil en feu. Je me suis foutu un coup dans l'œil, j'aurais pas dû, j'aurais jamais dû frotter mon œil. Très bien. Plus de remontée possible. Dans tous les cas, tu gagnes. Ah oui, c'est vrai. C'est terrible, tu as raison. Maintenant que j'y repense. Parce que j'ai gardé en mémoire du tableau du score. Thank you.
cru. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. Oh, je pensais que ça allait résister, mais... Avec mes sabots, j'ai un bruit qui a dès le départ. Avec mes sabots. Bébé. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. Avec mes sabots, en passant par la Lorraine. Je rejoins un coup parce que ça donne une soif cette activité. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots. Une dernière grande coupe. En passant par la Lorraine. Allez, une dernière. Il prend goût. Et on va te battre. Coucou le baron. Recoucou le baron. Le baron. Oui, le baron, pardon. Le baron. En passant par la Lorraine. C'est le baron, c'est pas trop d'autre. Le baron, on ne sait pas s'il est au tribunal ou s'il est autre part. Tu m'étonnes. Je vais faire quelque chose d'assez culotté qui devrait payer, je pense. Et encore, ça va, il y a une scène. J'ai marqué. Ah oui, c'est vrai. Quand tu l'appelles le baron, du coup, je lui dis qu'il barre les ronds. Baron. Ouais. Ah bah, c'est bien si tu en as barré beaucoup hier. Hein. Faut pas tous les barrer, les ronds, hein. Il faut qu'ils survivent. Hein. Je suis toi, fou. Quoi. Les ronds-points, tu peux tous les barrer, ça sert à rien, les ronds, quoi. Ah, parce que moi j'ai vu ça, avant on avait dans le village voisin une intersection, et ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un rond-point. Oui c'est très français ça. Et c'est nul. Rond-point, rond. Ça coûte plus cher, c'est plus d'entretien. Le département de Vaucluse n'est pas un département qui a des bonnes routes, c'est pas des ronds-points. Ça coûte peut-être moins cher d'entretenir qu'une route, je sais pas. Il y a encore du temps de Père. De, j'allais dire de Pecno, pardon. De Pernod, pardon. Combien ça coûte? Effectivement, il y avait des ronds-points à plus d'un million d'euros, voire plus. C'est un truc de fou. On sent que Spetsen n'est plus là, du coup, le sache lâche dans les potes de France. C'est possible, je fais pas de lien entre la présence de Tunsen ou non. Non, mais il y a la fatigue non. Aussi. Je te prie de pouvoir me l'accorder, ce fait. Oui, tiens, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une mousse, mais non, je ne la savourerai pas, vu l'intense activité intellectuelle qui est requise à l'écran. Je peux pas. C'est pas grave, je me la garde pour samedi. Mais bien sûr. Ça y est, il a retrouvé le pupitre de contrôle, on a perdu FunFan, au secours. Il joue avec 14 milliards de sons. Oula. En même temps, ça me sert à de réfléchir. Une belle tour. Tu m'étonnes. Merde. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Ça sert à quoi vos plantes vertes?
sert à faire que les briques tiennent le mur. C'est ça, elles fusionnent entre elles et du coup ça, ça donne un point d'accroche beaucoup plus stable. Regarde, là je vais le faire avec la... Oh non. Voilà. J'ai eu un instant frisson. Bien joué. Oula, non, là c'est improbable. Là c'est totalement improbable. Ouh, j'aime pas ce que tu me proposes. Est-ce que ça tombe beaucoup chez moi là? Oula, la tempête est là avant l'heure. Là. Il penche plus du ouch. On voit que ma base est le tang à mort. Oh, il va réussir. Ça peut le faire. Oh, oh GG oui, bravo. Magnifique. Bien joué. C'est bien, il y a le micro, on le voit en direct, il interview la patour, c'est rigolo. Mais c'est vrai que je me rends pas compte, moi j'ai mon écran de jeu brut, je vois pas là, mon habillage de chaîne, donc oui, il peut y avoir des trucs rigolos, je conçois. J'aime pas cette pièce. Ah mon dieu, mais c'est horrible. Oula. Je déchaîne le tonnerre sur toi. Ah oui. Ah, oh, le malus que je t'ai envoyé t'a condamné, c'est horrible. Merci, bon app, le baron, c'est très gentil, merci. Bon app à toi. Comment ça, Jean? Rebonjour. Ah oui, t'es pas lancé sur... Dead Space, là? Bon appétit, le baron. Ouais, bon appétit à tous ceux qui fait cette table. Ah si, d'accord. Mais tu vas me dire que t'as tellement flippé des premières minutes que t'as arrêté. Ah si. J'ai fait mon direct. Ah bah là, ça a été court, 22 minutes. Enfin bon, l'essentiel c'est que ce soit bien passé. Mais... Ah oui, tu fais par chapitre. Ah, c'est un concept. Pour faire du plaisir, c'est pas idiot. Bien joué, bien joué. Celle-là, je vais la mettre là. Ah ! Bon, c'est pas grave. Oui, je veux bien bétonner tout ça, là, parce que ça vient... Oh, j'ai chaud ! J'ai failli me manger ton malus au mauvais moment. T'as failli m'avoir. Ça s'est joué à rien du tout. C'est débile ce que je voulais faire. Je... Ouh là là. Ouh. Mais c'est pas possible, j'ai plus de bug viable.
Ah, merci. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà. Allez, stabilise-moi tout ça. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Oula là, ouh, ce guac. Oh, ça penche un peu beaucoup là. Ah, j'y croyais tellement. J'y crois tellement peu. Ah, il va me laisser sur la touche, le salibo. Voilà du boudin. Ou un équivalent. Oh, j'aime pas. Non, oui, non, oh, oui. J'aime pas. Ah non, je lui ai fourni une base d'enfer. Merci. Non, je glisse. Splendide, allez. Oh, le... Magnifique, très bien joué, bravo. Ouh. Oh là 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 là, ce duel au sommet. C'est ça, hi-ha. Mais comme ça. Voilà. C'est culotté. Agent, tu te dis, ben en vrai, j'ai un peu flippé, mais c'est plus de la paranoïa de plus qu'un monstre. M'a sauté dessus depuis une aération alors que je résolvais un truc. Ah, en effet. Résolu. Merci d'avoir lu agent. Ok. C'est un crap de Half-Life. Wouh. Attends, je me rassure différemment parce que mes jambes n'en peuvent plus. Aller voir le film de Chuck Norris avec moi. 11 ans qu'il était pas revenu. Merde. Oui, d'ailleurs, il y a un jeu qui a fait un flop, hein, c'est le jeu Crime Boss. Le jeu était optimisé avec plein de stars des années 80-90, donc Chuck Norris, l'actrice de 9 semaines et demie, Kim Basinger, et d'autres un peu. Je crois qu'il y avait aussi l'acteur de L'Arme Fatale, je sais plus qui. Mel Gibson. C'est Mel Gibson. Ouais, je crois que c'est Danny Glover, il me semble, dans le jeu. Et tout ça, et ce jeu il a plus misé sur son casting rétro 4 étoiles plutôt que sur son gameplay et compagnie qui est un peu de braquage. Il se voulait avoir une direction artistique un peu à la GTA Vice City, mais il a pas mal. Dans Metacritic, il a été noté moyen, et même de la part des joueurs. Assez répétitif aussi. Oula, j'ai une base qui tangue à 600%, là ça devient impossible. Même si j'ai flippé, le jeu est trop bien, je vais le terminer, je vais essayer tout est relatif. Ouais, c'est bien, il faut se motiver, c'est beau. Merde. Non. Tu sais dans quel pays où il y a le plus d'agents? Pays où il y a le plus d'agents? L'Argentine. Mais... Non. Ah non, c'est moi qui pleure. Ah.
Pleure pour moi, Funfan. Pleure des larmes d'homme. Ma tour de mage vient de s'effondrer, c'est ton tour. Je l'ai dit à Aero, lui il a pas encore la vie. Oui, c'est bon ça. Donc Aero est pas mes blagues. Je suis d'accord. Oh. Prétentieux. Oh non. Il l'a fait. Oh bravo. GG. Ah ouais, superbe GG, la good game. Oh c'est beau. Mais même si j'ai fliqué, le jeu est trop bien, doit terminer, essayer, tout est relatif. Ouais non, c'est cool que tu lances dedans, agent. Pour laisser quelques secondes de plus à la maison de tomber dans l'eau. C'est votre avant-dernière partie. Non, là, dans tous les cas, c'est la dernière. Ah, ah ouais. Chez Crawl. Ah, ça vous fera tous les deux les 3 points qui vous manquent. Exactement, peu importe. Ah, je crois que vous manquez tous les deux 4 points. Ah! Quelle horreur! Oh, mais c'est horrible ce truc! Aïe! Je suis mal engagé moi du coup. Ah non, je peux même pas faire ça en fait. Ah, mais quelle horreur! La charge d'orange! Je sens que ça va se casser la figure, mon truc. Ça va se... Ah ! Oi, 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 c'est la caca pour moi. C'est l'amour. Non. Non, pourquoi elle tombe? Mais quelle horreur. GG. Alors là, je m'attendais pas à ce qu'elle s'effondre. Bravo Bastos! Je vais faire comme Edge, je vais partir sur une victoire. Et c'est ça qui est beau. Magnifique, bien joué! Bon bah le sac, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux garder tout le monde, il faut que tu gagnes. Ah, c'était cool, merci. Ibi! Ce jeu de folie. Ah oui, alors quitter le jeu. Ah, oh, merci d'avoir joué les copains. Bon app à toi, bon dîner, à tout à l'heure. Je te ferai relais de scène avec grand plaisir, Bastos. Merci, merci. De toute façon, je vais sûrement revenir avant. Donc, à tout de suite. Merci beaucoup pour... Prends ton temps pour dîner, hein, relax, cours pas. Mais merci. Bon appétit. Merci, à toutes.